Lucie. C'est par rapport à ce que tu dis aussi, moi c'est pareil, démonstration vocale et tout, depuis le début, je fais que braguer et tout, et encore une chanson comme ça, moi ça m'inquiète vachement parce que voilà. Le truc c'est que tu dis je t'aime dans certaines. Tu vois, tu l'as dit à un bon moment, pas tu l'as dit à un certain moment. C'est pas crédible. Mon point il s'arrête tout seul. Dis-moi je t'aime. Proteste. Je n'ai pas, donne-moi le temps. Voilà. J'ai besoin d'un soutien psychologique de mon amoureux. J'ai mal à la tête et que je suis inquiète pour demain. Toi aussi peut-être t'as besoin d'un soutien psychologique. T'as une mal aujourd'hui ? Georgie. Ça sort chez... Non, je sais pas encore. D'accord. C'est pas grave. Ah bah voilà, il nous l'a annoncé. Voilà. T'es adorable, j'adore ta compatissance. Là, j'aurais pu le dire celui-là tout à l'heure, compatissance. C'est la terre que j'aime, celle où je me trouve, dans ma chair, mes veines. Là, tu vois, c'est... Voilà quoi, tu étais reconnaissant de cette terre. Et puis, il écrit cette chanson à une vitesse, mais pas possible, tellement le... Enfin, l'idée lui est venue, enfin, c'est génial, quoi. Il est vraiment génial ce mec. Ah, il est venu vous voir. Trois, mais super sympa. Ah, ouais, j'en avais avec deux personnes. Hein, mais super dispo et tout. Je suis super froid, c'est moi. C'est toi. Non, il fait froid. C'est bon. Ah non. Il reste avec quelqu'un. Maintenant, tu demandes aux autres de faire du bruit. Je l'ai vu au foyer, le drap. Je crois qu'il chante moins qu'avant. Je crois qu'il chante un peu dans le couloir. Mais t'imagines, nous, quand on était... On était deux. Moi aussi, mais je pense que... Je dormais dans la chambre des garçons et dans la chambre des filles. C'est affreux. Vous avez demandé les draps. C'était pas les grands amours. Ah si, complètement. Mais t'étais amoureux de Noël. Ouais, franchement. Mais n'importe quoi. Non mais on personne. Bon, non mais je disais qu'on. Non mais parce que c'est vrai quand on était alors quatre, Georges Alain, Emma, Nolwenn et moi. Il y avait Georges Alain. Ouais. Ils t'ont fait une finale fille, une finale garçon. Ouais. Et puis après, on s'est retrouvé avec Nolwenn. Alors après, non, je me suis retrouvé avec Emma et Nolwenn. Et là, c'était là, et c'est trop beau, quoi, parce qu'on se lève le matin. Ça va, tu vas bien. Ça va, tu vas bien. On est à table comme ça, et on mange. Alors le matin, c'est gros silence, et tu manges. Oh, et on se regarde comme ça. On explose de rire. Non, mais il n'y a rien à dire, quoi. C'est chaud, quoi, tu vois. Après, on se retrouve à deux. Et là... Ah ouais, là... Mais là, tout à l'heure, j'ai dîné toute seule, comme ça, je sors. Et là, c'est... Grand moment de solitude. Et là, tu te dis... Avec qui? Ouais. À deux? Mais sur la fin, ils vous organisent pas des petits restos, des trucs comme ça? Non, sérieux, dis-moi oui. Non, et vous sortiez pas un peu plus? Regarde, ce qui reste... Mais si, c'est pour nous amener au restaurant. Non, 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 tu sors pas, tu te bats. Une grande soirée. Mais en plus, vous êtes quatre, à mon avis. T'as une soirée, là. Oui, une soirée avec Marcelo Gargère. Qu'est-ce que tu dis? Soirée de best, si je m'en rappelle. Soirée de jet set. Ouais. Vous emmenez une soirée de jet set. Pendant le... J'ai rencontré mon idole. Qui? Jean-Claude Van Damme. C'était énorme. Ah, mais tu dis, tu fais de sa gueule, mais moi je le kiffe, moi j'en viens. Il y avait Ursula Andress, il y avait... C'était énorme, c'était génial. Ah, franchement, c'est une sincèrement. Tout le monde se fout de la gueule. Moi je respecte ce mec. Il a dit, je veux être star aux États-Unis, il est parti là-bas, il est dans la bombe. Ah, mais tout simplement, il a réussi. Moi j'étais amoureuse de lui quand il y avait Kickboxing et tout ça. Non, mais moi franchement, je monte tout de suite sa gueule. Non, mais il est pas très... Fais ta gueule, c'est tout le monde. Mon frère, quand t'auras fait ses films... Dans un cas celle-là, il sentait pas bien dans son truc ce jour-là. Ah mais c'est pas grave, on va laisser les autres. Je veux dire, pour pas voir simplement quand t'es dans la déchéance, t'as vu. Franchement, j'ai respect pour lui, je kiffe. J'aime pas le gars quand il est au cinéma. Non, je c'était quoi. Ces films carrément ils sortent plus au cinéma, ils ont carrément des pommes dedans. Il est pas mal. Attention, les mêmes goûts de film. Bidon. Là, tout à l'heure, peut-être jamais, tu vois. Là, ah oui. Non.
Une grosse balise. J'ai fermé les yeux. Combien? Je sais pas. C'est passé à quelle heure? Vous êtes. Je sais pas, mais je suis passé il y a. Non, j'aurais jamais dormi. Mais je me suis dormi top. Bah, moi, si, mais Sofiane, j'aurais jamais dormi. Mais quoi? Non, mais j'aurais jamais cru qu'on serait resté, qu'on serait là. Enfin, moi, que je serais là encore là. Ben, on est bien content. J'ai ma mère au téléphone, elle me dit. Bon, t'as déjà fait un beau parcours, ma fille, c'est bien. Attends, on vient aller jouer encore. Ma mère me dit, elle me déjà. Elle me dit, de toute façon, c'est sûr que la chanson, elle est faite pour Lucie et Oda. Ah, l'abricot. Eh, mais peut y avoir une finale. Trois filles, un mec. Ouais. Un mec, trois filles. Non, je pense pas. Trois mecs. C'est Gérard, c'est ce qu'il a dit. On est en train d'imaginer les scénarios possibles pour les quatre derniers. Donc pour la première, c'est finale fille, finale garçon, puis il reste une fille, un garçon de là pour la finale. Ou alors ils inversent le vote du public, le public vote pour la personne qui sort sur les quatre. Donc 4-3 et puis finale. Même si on est nominé. Beau parcours. Happy face et beau parcours, sérieux. Vraiment. Non. Amour parcours. Mignon, non. C'est moi qui l'ai dit parcours. Oh. Bah ça c'est 1 sur 2, t'imagines, la raison. On est 6, c'est mal. Je t'aime, mais c'était quoi? Moi aussi je t'aime. Fusionné. Là on a senti la sensibilité. Là on a senti. T'es trop mignon, dire un petit garçon. Laissez miettes partout sur la bouche, tu manges pas pour 3 mois. Eh, vous êtes sympa, vous faites la vaisselle, vous êtes plus que 6, hein. Ça va pas, non? Non, même fumier là. C'est trop mignon. Oh là là, ah, et là je le crois. T'as des jets de clown. Et là je le crois. Si si. Parce que comme c'est un défi pour lui de pouvoir te dire quelque chose, il le dit comme ça. Là je te crois, Sofiane. Et ne nie pas les faits, dis que oui. Oh, quel con. Qu'est-ce qui s'est passé dans les cheveux là? Greg, ils sont tombés à péter un peu mon vieux. T'aimes-vous là? Moi aussi je t'aime un peu. Moi je vous ai regardé au match de foot. Et là, j'ai hurlé de rire. Il est dans le camp de Marseille et il gueule PSG. J'ai trouvé ça énorme. J'en pouvais plus, j'étais mort de rire. Hey, j'étais seul avec toi. C'était énorme. Et les mecs derrière toi, ils te regardaient comme ça, j'en pouvais plus. Ça t'a fait rire, toi. Ah, c'était gros. Ah, c'était énorme parce que tu l'as bâché devant un million de téléspectateurs de mecs dans le stade et ils te tuent à la fin. C'est énorme. À la fin, j'ai comme ça. Je voulais pas me lever en plus. Parce qu'après, j'allais parfois. C'était gros. J'étais comme ça. Parce qu'au début, j'étais devant la télé, je disais, mais Greg, il est à fond dedans, mais il a raison, bah, tu vois, je... Mais quand, c'est le scénario, vois, quand je le vois, mais quand je vois l'inversement du truc, quoi. Et je te vois assis dans le coin, là, par terre et tout, puis lui, vous pouvez fermer la porte P. C'est excellent. J'ai tellement de... Franchement, c'est excellent, quoi, parce que j'adore quand t'arrives et tu regardes les mecs, ouais, ouh, il est pour le PSG, attends, à la fin, c'est le PSG qui gagne, tu vois. Tous les mecs, tous les ultras, ils crient, Sofiane, je rigolais, mais j'étais... Ah non, mais ça craignait, je me suis fait cracher. Et même moi, je commençais à... Voilà. Je fais la plus belle des vengeances, ça serait une petite victoire. Ah non, mais alors ça, c'est énorme. Non, surtout, c'est 2-0. Décomposé par terre. Ah ouais, c'est 2-0, j'arrive, je suis putain, c'est mort. C'est hoche. Il y a 2-1, je le fais, ils vont revenir. Si un bon dieu, ils reviennent, ils gagnent. C'est vraiment hoche. Et le meilleur moment, c'est quand tu vois... C'est foot, toi. Tu suis le foot. C'est pas trop. Ouais, tu vois, c'est quand tu vois Mendy, c'est le défenseur, tu sais qu'il fait la bourde et tu sais que l'attaquant, il va être plus rapide que le goal. Tu sais qu'il va la mettre. Et t'es comme ça. Et moi, je t'en fais moi. Ouais, je te vois décomposé, je vois Tiburce qui te regarde, j'étais mort de rire. Ah, j'en pouvais plus. En même temps, je t'ai dégoûté de ma manière parce que j'aurais bien voulu que j'ai quand même prolongation. Ouais, ça aurait été bien. Ça aurait été marrant. Quoi? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que mon cours d'oucine, il va y avoir des appels pour des interviews. Ah, dis-moi, je crois que je viens de perdre quelque chose. Quoi? Autrement dit, tous mes textes que j'ai fait pour demain. Pas mal. Voilà. Et tu ne les as pas perdus, ils sont ici dans le cadre. Attends, je suis au théâtre. Il y en avait un là. Je vous attends au théâtre. Je vous attends au théâtre.